Tasyakkan kabila sejati Muhammad alaihi salatu wassalam. Koma ina yaiti adek nubere Lekisong sedekus. Koma ina yaiti adek sedafan. Koma ina yaiti adek Lekulis sik-sik Dabai amelon. Sik jadi lewa. Koma Muhammad alaihi salatu wassalam bila adek sera. Lekulis jenon Lekulis Muhammad alaihi salatu wassalam. Sedeknya kini sema siapa? Sedeknya kini kini apa? Sedeknya kini kini apa? Mais, il nous y a fait tout le monde vers ce qui est juste et ce qu'il y a au courant de la Mouata, à la terre et ce qu'il y a à la réforme. Et aujourd'hui, dans les verbes, nous suivons la grâce de la vie de Mohamed alayhi salatu wa salam. Car si on pose la question, vous êtes des quelques religions, nous avons les conditions des musulmans. Et quand on est musulman, on ne peut pas passer la journée en tant que musulman, au moins il y a un principe d'avoir prononcé le droit de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, au moins 5 fois. Ou c'est plus que ça. Pour dire même nos prières, dans la phase de l'Italie, nous avons dit le droit de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Mohamed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. Je sais maintenant, dans ma famille, avec ma femme, pour savoir les époux et les enfants, comment je dois planifier ma vie. Planifier ta vie en suivant mon âme à l'Islam comme ton modèle, comme l'exemple à suivre. Mais quand on sort de la maison, est-ce que mon âme à l'Islam vivait sur le monde? Il est vivait pas seulement au milieu des membres de sa famille. Et il y a une grande communauté qui entourait mon âme à l'Islam, qu'on appelle les Sahaba, les compagnons. Le compagnon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le rapport entre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et disciples. Nous avons lu ici, et nous revenons là-dessus là à chaque fois, pour rappeler chacun de nous, c'est qu'on a commencé l'année dernière, il faut suivre. Ne t'arrête pas. Il faut continuer, nous sommes sur le droit chemin. Je lève la tête et te dis toujours, je suis sur le droit chemin. Donc je ne dois pas me tromper, je n'ai pas le droit de l'heure. Dieu nous dit dans le livre du Coran, en nous qualifiant les compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais d'ailleurs, qui sont les compagnons? Quand on dit Sahaba, Sahaba, il signifie compagnon. C'est lui qui avec toi plus de temps ou soit à tout moment. Le compagnon de Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est celui qui a vu Muhammad alayhi salatu wa salam, il a vu le prophète. Et il a cru en lui, il a devenu musulman, il est resté même jusqu'à 24 heures. Il a passé une seule journée avec lui, on lui fait des réunions pour parler de Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ils ont des privilèges, oui. Les compagnons de Mohammed alayhi salatu wa salam, ils ont des avantages sur nous. Ils ont des places que nous autres, la société difficile, d'arriver vers la sourde avec nous. Car Dieu nous dit dans le livre du Coran, la sourate ou neuf, la sourate ou taouane, en parlant des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa salam, avant de dire comment Mohammed vivait avec ceux-là, c'est-à-dire ces 7 catégories qui nous intéressent aujourd'hui. Dans la Sourate 9, verset 100, Dieu dit ceci: Wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabi'uuhum bi ihsan. Il dit quant à ceux qui ont immigré, c'est-à-dire qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, les premiers à accepter et embrasser l'islam. Ils étaient les premiers à accepter l'islam, embrasser, et ils étaient les premiers aussi à émigrer. Parce que quand on parle d'immigration, il y a eu plusieurs étapes. La première groupe qui a avancé le prophète à l'Islam, qui ont dévancé le prophète à l'Islam, et le prophète a été parti avec un autre groupe, il y a d'autres groupes qui ont suivi le prophète à l'Islam. Mais ici, Dieu va citer les différentes catégories des compagnons. Ils ont pris un but. Ils ont accepté de le suivre à Médine. Et ce n'est pas limité à cela. Il dit, c'est aussi qu'ils l'ont accueilli. Donc, vous voyez l'hospitalité. Si tu vois que l'étranger a duré chez mon tuteur, c'est que le tuteur, vraiment, il a réservé la pièce chaleureuse à cette sorte d'étranger. Et ici, tu vas nous dire quoi, en qualifiant ses compagnons de Mohammed Ali Salah Salah, vous allez dire, c'est pas vous, mais ça. Et ils étaient généreux. Je le reste sur tous les plans. Généreux lorsqu'il s'agit de soutenir Mohammed alayhi salatu wa sallam. Généreux lorsqu'il s'agit de financer l'islam. Généreux lorsqu'on parle de la disponibilité pour le patron, etc.
Yazid radhiyallahu anhu. Siapa dari ada yang luar yang kompanyen di Profet alaihi salatu wassalam, Yazid dia ala bin Esat Isbari. Dia ala bin Esat Isbari. Et ensuite, il Dieu va donner à un autre promesse dans ces versets, sur l'ambiance de verset 100. Radhiyallahu anhu, wa radhiyallahu anhu. Oui, Dieu est satisfait d'eux et qui seront satisfaits aussi le jour qui est là dans les récompenses. Pourquoi? Car wa radhiyallahu jannat, Dieu a déjà réservé pour eux des jardins dans le paradis, et qu'il y a une boule de ruisseau, khalidina fiha abada. Et nous demeurons éternellement, c'est-à-dire quand il y a un village de sortie, c'est fini, c'est pour les membres des chefs. Khalidina fiha abada, zalika al-fawdullahi. Il dit c'est ici qu'il y a la meilleure des félicités. Et après, il y a une récompense pour sa vie de relation. Si on leur a dévoré quelqu'un, parce qu'il a apporté plus à la société, mais ici, Dieu dit, lorsque Dieu va les gratifier avec le paradis, il n'y a pas de meilleure récompense que ça. Il n'y a pas de récompense avec le bien dans le Seigneur au Sahara. Tel est le compagnon du Messie alayhi salatu wassalam. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit de ses compagnons? Il vivait avec eux. Mais les compagnons ont dit ceci. Anas ibn Malik, qui était chez lui, qui fait partie de ses compagnons, Anas dit que j'ai servi Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est pas au plus de 10 ans. Puis il ne m'a jamais dit. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça? Il me dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne se fâchait pas. Il dit, moi je préparais pour lui. J'étais le plus vieux prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai remarqué beaucoup. S'il aime une sauce ou soit un plat, il mange assez, mais c'est limité de l'eau. Quand il n'apprécie pas un plat ou soit une nourriture, il ne mange pas assez. À partir de là, Anas a su qu'est-ce que le prophète d'Ali sur le préférait et qu'est-ce que le prophète d'Ali ne préférait pas. Ça, c'était Anas pour moi. Le prophète d'Ali sur le préférait, quand on parlait de ses compagnons, on dit si on parle de l'islam, nous ne pouvons pas séparer la vie du prophète d'Ali sur le préférait et celle de ses compagnons. Après le décès du prophète d'Ali sur le préférait, qui ont dirigé la communauté musulmane, ce sont les compagnons. Les hadiths qui sont entre nos mains, à commencer par le Saint-Coran, qui les a écrits, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, quand on parle des compagnons, nous allons lui dire Allah pour nous, car ça satisfait. Ça, c'est la recommandation vis-à-vis des compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. Mais lui-même, il a réservé une place d'effort pour ses compagnons. Pour dire, en tant que leader, tes collaborateurs, il faut les considérer. En tant que responsable, tous ceux qui travaillent autour de toi, et bien tous ceux qui travaillent autour de toi, il faut les considérer toujours. Il faut leur donner leur place. Quand tu donnes à un individu sa place, où il faut, avec le respect, il va t'expliquer, il va t'aimer. Et s'il t'aime, il sera loyal. Et s'il est loyal, il sera sincère avec toi. Mais il dit que ça soit le contraire. Et ici, le prophète, dans l'islam, quoi, ça va dire quoi? Il va nous dire ceci, je cite. Il dit la tasso pour Asabi. Quand on a dit que c'est bien dit, la Rouana Ahdabun, un fata misla pour le Zahaban, ma Adraka, ma Dahdi. Elle a fait le Hadis. Il dit n'insultez pas le compagnon. Ne sabotez pas le compagnon. Vous allez attendre les gens. Eux, ils vont pas trouver d'autres groupes, d'autres catégories. Ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wa salam. Qui vont essayer de l'humilier pour ça d'insulter. Maintenant, nous avons le droit de les faire avec qui c'est le droit humain. Il dit n'insultez pas le compagnon. Même si l'un de vous a financé l'islam, a donné son argent, l'argent qui a été la qualité pour soi, la tête de la montagne est courte, uniquement pour gagner la place, bien sûr, son rabat, il dit qu'il ne pourra pas tenir la place. Ça, c'est la parole de qui? La parole du prophète alayhi salatu wa salam. C'est lui qui est notre référence. C'est lui qui est notre modèle. Il dit n'insultez pas
Kalau tidak berhasil Islam, ya tidak ada syok. Kalau akhirnya ya tidak ada syok, itu kecabar lu dari berkor. Itu kecabar lu dari syok, itu tidak ada berhasil. Musa bagi sikir, musa bagi syok. Men an lesan da fadi sa fadi te kremiş. Ese se la te osa ki tider bi, yusa se ki tis nama la vida bor Tu peux pas défendre un individu, prétendre défendre quelqu'un qui ignore même la vie et l'essence de la personne. C'est pourquoi nous devons nous intéresser à la vie des compagnons de Mohammed, à l'histoire de la Qui était Abdullah de Sidi? Qui était Ousmane? Qui était Omar? Qui était Ali? Qui était Abdullah de Maro? Etc. etc. Si tu connais l'individu, c'est facile de se commencer sur lui. Et le prophète, à l'histoire de la étant soucieux du bien-être de ses compagnons. Donc, il va nous donner maintenant la place que les compagnons occupent dans notre foi, dans notre cœur. Donc, nous ne devons pas toucher à l'intégrité, à la dignité des compagnons de Mohammed Ali, c'est la Seigneur qui défend. Et si vous voyez quelqu'un en train de faire, si vous ne pouvez pas agir, la moindre des choses, c'est d'écouter la cise. Aussi, ça passe une chaîne, c'est d'éteindre la télé, si tu veux t'aider là-bas, écouter de là-bas. Les compagnons ont tout donné. Et le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam était satisfait d'eux, mais la satisfaction divine, la satisfaction d'Allah, dans son tout ça, dans la sourate 9, verset 1, verset 100. Lui est satisfait d'eux et un peu bas, vous n'en aurez rien à dire. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, en tant qu'individueur, si nous devons nous regarder à travers la sourate du prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, quand il ne voyait pas un compagnon dans l'assemblée où il s'asseyait régulièrement, il cherchait ses nouvelles. Il demandait, ah, ça fait un bon moment, je ne vois pas ici. Ça, c'est le vrai rigueur. Comme ailleurs, tu as fait une semaine, tu ne vois pas les premiers trois jours. Dans moins de deux jours, aujourd'hui, les deux jours, c'est du grand confortable et tu l'appelles. Le Philippe qui demande à l'entreprise, où soit devant chez vous, il devrait être là à 17h00. Et la nuit, il est là. Il n'est pas levé à temps. Et jusqu'à 14h, sûrement, il y a quelque chose. Et vous ne cherchez jamais à appeler cet individu, m'a dit bon, que ça va aller. Dès que trois jours avant vous appeler pour vous annoncer votre nouvelle, ça arrive tous les jours. C'est pourquoi, si vous passez 6 heures, quelqu'un va être à son poste, il n'est pas là, la moindre chose, c'est de l'appeler. Vous êtes où? Tout va bien. Et le prophète, alayhi wa sallam, pour estimer ses compagnons en tant que vieux, quand il rencontrait un compagnon, il le saluait chaleureusement. En le saluant, il va lui demander si va bien et ta famille. Vous voyez, vous rentrez dans votre lieu de travail. Et le poste, vous passez quand on est chez nous le poste, et demande comment ça va bien et tes parents. Tes enfants vont bien, surtout, nous sommes en face de la rentrée scolaire. Tu demandes à celui-là, est-ce que tu as scolarisé tes enfants? Ça serait gênant pour lui de venir t'exposer ses problèmes. Parce qu'en fait, c'est une fois, on est dans des salaires, oui, ils sont bien dans des salaires. Et aujourd'hui, je vous assure, la formation a un coût. Si tu veux bien la formation a un coût. Même pour acheter ton enfant, il faut acheter quelque chose. Même si le vol est gratuit, oui. Mais est-ce que le vol est gratuit? Bien, 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 bien. Pas du tout. Nous félicitons en tant que les Dakar, mais la Baraka, dans les acteurs et notre système éducatif, qui est dans l'exercice toujours. Mais chacun doit fournir l'effort pour le bien-être de l'autre. C'est lui qui travaille pour moi, il a un salaire. Et à ce moment de la rentrée scolaire, qu'est-ce qui vous empêche de lui apporter votre aide? Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, quand vous regardez sa vie, le prophète ne mangeait pas sa raca. Mais tout ce que vous venez lui donner à la présence d'un compagnon, c'était pour lui, c'est pas une autre. C'était sa générosité, c'est cette générosité qui a fait que le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il avait la tente entre lui et ses compagnons. D'ailleurs, même dans la sourate 3. Verset 159, sur la parole de Dieu, Dieu m'a confirmé cela. Dieu dit ceci, le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, après avoir qualifié ses compagnons, qui sont les leaders, après lui, Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit, Dieu va nous citer dans le livre du Coran, en parlant comment le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a été avec ses compagnons. Si on veut se mesurer à la sunna du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, nous sommes déjà un bon port de famille. Supposons, si le Ramadan parce qu'aujourd'hui, dans l'organisation des tous les jours, comment le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il vivait avec ses compagnons.
Bandung, Bandung dan boleh saya mau baik. Ya isi Yesus. Tapi marah mati dengan Allah di dalam. Walaupun terfadzal malizan kan, dan fadu di hawi. Ini siasat kemarin Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga ada keras. Dia biasa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia korban yang itu aku deh. Tidak ada terus di sini, tidak ada pasti kejelasan. Si tiap-tiap kita, tiap-tiap ininya, dia korban yang ada Pak, Rasul yang dihubungkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia korban. Kita ajarin dulu sini. Masa-masa di mana dia dulu? Di mana kamu kata kami? Di mana SK cari rumahnya? Dia maksud saya ke mana? Bukan orang saya dapat di mana saya dikawali. Di mana saya sekolah? Asyik kuat. Masa aku siap di sekolah. Saya boleh jadi berita di kerja. Ibu lima orang yang berusia di sekolah. Kita sendiri ada kaki menuju. Mesti bukan berita banyak. Tapi saya rasa siap. Ibu tu ada yang berdiri. Mesti juga mungkin si pasir terus berjalan. Terudah dari bersepak. Isi di mereka di situ juga surat keluar bersih. Tahu siapa sudah? Laki itu dia Muhammad. Tapi saya kompanyo. Ini sekian saya dia kompanyo. Lepas Muhammad dari salat puasa. Muhammad itu dia jadi kuat. Jadi dia dia saya kompanyo. Asal pun dia cuma. Kalau nak lantik sekali ikan. Muhammad boleh tujuh puluh delapan tahun asal kompanyo. Esok dia yang dah buat salat puasa. Saya sejak Muhammad dari salat puasa. Tapi saya kompanyo. Bukannya tujuh, l'importance. Et la place qu'il a apporté à ses compagnons, il a passé du temps, il n'a pas fait un individu parmi ses compagnons. Il posa la question. Et il s'est fait deux jours, je ne vois pas un X. Et dans la semaine, dans la 6, il y a un compagnon qui s'est porté pour l'entrée. Il dit, non, moi, je vais aller à la recherche de ce dernier. Je vais vous apporter une salade, s'il vous plaît. Et il est allé. Il va trouver un compagnon qui a assis là. Avec ses soucis, il a la tête baissée. Et il lui posa la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, moi, je suis dans la mara aujourd'hui. Et à un moment donné, les compagnons de Mohamed Ali sur la place là, en s'adressant à lui, il levait le ton, il levait la voix, il criait. Et Dieu a interpellé les compagnons de Mohamed Ali sur la place là, lorsque vous voulez vous adresser au message de Dieu, il dit, observez le respect dans vos propos, dans vos langages. Et ici, quand Dieu a cité ce qui allait être réservé pour eux, et lui qui s'est retourné, il allait s'en faire à la maison. Et lui qui allait à la recherche des nouvelles, là c'est retourné de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, et il lui dit ce qui a bien, c'est-à-dire ce qui a trouvé chez vous. Et le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il était tellement généreux, il dit ceci. Retourne-toi, va dire à ces musulmans, pour l'amour, il n'a qu'à la salle d'un arbre dans la commune d'un arbre. Il ne fait plus partie, il ne fait pas partie des habitants de l'enfer. Va lui dire qu'il fait partie des habitants du paradis. Il fait de lui parmi les hommes qu'on a annoncé les entrées au paradis avant d'être décès. Il y en a plusieurs, il y en a 10 qu'on a cité, mais il y en a d'autres qui ont été cités dans les différents paradis. Lui, il fait partie. Et là, nous allons avoir compris à ça. Donc ça c'est le budget, tu ne vois pas ton chauffeur, rentre-toi chez lui. La première de deux choses, quand on vit avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, un an, deux ans, trois ans, si on te pose la question, est-ce que vous connaissez chez lui? Ah, imagine qu'il a fait quelque part. Imagine qu'il a fait quelque part et vous. Je préfère dire que ça soit un événement heureux. Et il t'invite à aller assister à cet événement. Bien vrai qu'aujourd'hui il y a des organisations. Mais alors qu'il ne se retrouve pas, il va chercher. Il va passer près des 30 ou 20 ans à la recherche de la maison de son collaborateur qui n'a jamais mis les pieds là-bas. Il faut instaurer ça dans ta vie. Et ne serait-ce qu'une fois ou trois fois dans l'année, mes employés, ceux qui travaillent avec moi, je vais aller connaître chez eux. Si ça ne vous a pas approché, je vous assure, ça ne va pas vous éloigner. Ça, c'est la vie de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. La vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, c'est riche des enseignements. On ne peut pas vous dire dans un sermon. Même nous les donnons quoi? Quand on parle de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de ses compagnons. Oui, il était au service de ses compagnons. Étant au service de ses compagnons, il s'est pris toujours de la réalité. Ça marche quoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Si qui pose la question à l'individu, là tu lui donnes le droit à te s'exprimer, quand il va te dire ce qu'il va. Mais tu ne poses jamais la question à l'autre, quand il descend de l'individu, même vous allez se faire un problème. Non, ce n'est pas ça la solution du prophète à l'Israël. La solution du prophète à l'Israël, même les enfants, rapportés par le Moréna, à midi, les vieux, les enfants, les pauvres, partaient à la déchette du Moréna à l'Israël, à comprendre la fin du bas, le prophète à l'Israël. Nous ne disons pas aujourd'hui à nos responsables des structures quand il y a des gens de sécurité aussi. Mais ce qu'on peut faire pour que l'autre se sente mieux en termes de la fraternité musulmane islamique, nous devons faire des premiers pas. Et c'est ce qu'il faut appeler. Et si quand l'autre dit qu'il est malade, c'est fini. On va chercher automatiquement quelqu'un à sa place. Et jusqu'à ce que des fois on lui annonce qu'il est décédé. Il va jamais chercher à savoir qu'est-ce qu'il va passer. Chers frères et sœurs en islam, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un enseignement pour chacun de nous. Oui, c'est un enseignement juste pour chacun de nous. C'est comme ça qu'il vivait avec ses compagnons. C'est pourquoi les compagnons ont tout abandonné pour être au service de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux que moi se sacrifie pour toi, il faut lui montrer que tes problèmes sont mes problèmes. Car nous avons la compréhension, c'est qu'il puisse en le droit chemin. Et je termine avec toi. Comme il a dit tantôt, c'est la rentrée scolaire. Que chacun interroge ce qui travaille avec toi. Est-ce qu'il a bien inscrit son enfant à l'école? Est-ce qu'il a bien inscrit son enfant à l'école? Si c'est oui, alhamdulillah. Et si c'est non, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons pratiquer la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a été avec ses compagnons? À partir de là, les effets de ce serment font porter ses fruits. Et en portant ses fruits, nous allons satisfaire tous. Car nous avons cette application et qu'il puisse entrer sur le droit humain. Parce que l'on se voit en pouvoir à la vie d'accord.